273 mairies en Indre-et-Loire, 276 en Loire-et-Cher peuvent se procurer le portrait officiel du président via les préfectures. Appuyé à son bureau, le cliché est différent. D'abord par le choix du décor et de la mise en scène, mais surtout par sa dimension. Là, cette année, ce qui est particulier, et on alerte les mairies, c'est que le portrait du président de la République est un petit peu plus grand que celui de son prédécesseur. Donc, il faudra certainement changer quelques cadres dans les mairies. Question, les mairies et les services publics sont-ils obligés d'afficher la photo officielle du président une fois le bon cadre acheté ? Alors, la position du portrait du président de la République dans chaque mairie n'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il s'agit plutôt d'un usage républicain et vous le retrouverez généralement dans la salle des délibérations du conseil municipal. C'est assez drôle de voir justement les différents usages selon les mairies. Certains ont un couloir avec les portraits du président de la République depuis Charles de Gaulle. D'autres changent systématiquement le portrait du précédent président par le nouveau. Mais il y en a quand même beaucoup jusqu'à maintenant qui conservent tous les portraits. Et si les mairies reçoivent gracieusement le portrait du président de la République, les particuliers peuvent l'acquérir, mais ils doivent débourser 9 euros.